commentaire est en français, mais la traduction s'affiche sur l'écran en anglais. The comment, the speech is made in French, but there is a script in English. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Ici, c'est le Cameroun. Situé en Afrique centrale, il est appelé l'Afrique en miniature à cause de la variété de ses écosystèmes. Notre mission se ferait en chemin dans 10 régions dont 7 sont des plus résistantes au message. 3 régions vivent sous des menaces de terroristes et 3 autres de sécessionnistes. L'église adventiste au Cameroun commence toujours son calendrier d'évangélisation avec une emphase sur les 10 jours de prière. De 2016 à 2018, nous avons organisé 4 activités majeures. Premièrement, Impact Cannes 2016. Il s'est agi d'un stand évangélique multifonctionnel au stade omnisport de Yaoundé à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations du football fribourg. Avec l'aide de 100 volontaires, nous avons distribué 25 600 livres et revues. Nous avons aidé 6 orphelins. Deuxièmement, Horizon d'espérance 2017. Des conférences Horizon d'espérance se sont déroulées sur l'ensemble du territoire du Cameroun au mois de mars 2017. Des prédicateurs venus de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des pasteurs et ouvriers locaux et des membres ont animé 520 sites publics et 2523 petits groupes. Et à la fin, ...5125 personnes ont été baptisées et 1005 étaient sur la liste d'attente. Troisièmement, Pentecôte 2018. Les campagnes de moisson Pentecôte 2018 sont un programme TMI impulsé par la division. Elles ont produit près de 5000 baptêmes sur un ensemble de plus de 4000 sites, dont 713 publics et 3482 petits groupes. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne nous a pas... Des prédicateurs encore venus de la division et de la conférence générale se sont associés à tous les ouvriers, à toute l'église au Cameroun. Quatre cliniques de santé mobile couplées au programme WASH ont joué un rôle important dans la préparation de Pentecôte 2018. Ces cliniques de santé mobile et WASH étaient la résultante d'une bonne collaboration Adra-Tiéma. Sogla dans l'est du Cameroun et là dans le centre et sud, Baham à l'ouest et Malabar dans l'Adamawa en ont été les bénéficiaires. L'implication totale des membres, voilà qui explique le succès de cette campagne de moisson. Quatrièmement, évangélisation par les activités sportives. En partenariat avec la radio Il est écrit de Yaoundé, nous organisons des rencontres amicales de football avec les grandes entreprises et les ministres. À la fin de ces rencontres, une exhortation est faite, suivie de la prière, de la remise des ouvrages aux joueurs et aux supporters. Depuis novembre 2018, nous avons rencontré Cameroun Telecommunications Captel, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS et la chaîne de télévision Vision 4. En dépit des troubles dans certaines de nos régions, notre mission avance. Nous nous préparons pour le programme Horizon 2019 qui commence bientôt sous l'impulsion de la division.
Dieu bénisse son œuvre à travers le monde et au Cameroun.